personne ne parle avec cet arbitre-là. Les gars, sur les bancs, c'est deux équipes sympas que je connais, donc ça devrait bien se passer. L'arbitre ! Ouais ! Nouveau jeu ! Arrêtez d'être suffisant là ! Vous n'avez pas concédé une seule occasion, pas un tir ! On a joué au pigeonnier, on joue à monte à terre, à crève plateau, là vous faites rentrer dans le crâne, par une moulin balle, arrêtez les merdes ! Eh hey, salam le monde, c'est Akim Babassi, j'espère que vous allez bien et on se retrouve évidemment pour ce deuxième épisode de A Jamais un Grenat. Oui bon, d'habitude c'est vrai que je fais toujours cette introduction dans la voiture. Bon là, on va dire que le caméraman est arrivé juste à l'heure. Enfin bon bref, je pense que c'est pas ça qui est le plus intéressant. Puisque les gars, évidemment dans ce deuxième épisode, nous enchaînons après notre élimination en Coupe de France. Nous sommes reversés en Coupe de l'Oise et du coup nous affrontons pour ce premier tour du Coupe de l'Oise l'équipe de Morienval. Morienval, équipe qui a été reconstruite justement et qui est maintenant en D5 les gars. Donc nous sommes une D2, nous jouons contre une D5, évidemment nous sommes favoris sur le papier, mais vous allez voir peut-être que c'est pas forcément le match le plus facile. Bref, je te spoil pas plus. Vous verrez par vous-même. En tout cas, les gars, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes, à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire, bien sûr, bah voilà, ce que vous avez kiffé dans cet épisode ou non. Et continuez à nous supporter, ça fait super plaisir. Les gars, on est parti directement pour l'échauffement. On perd pas de temps. Ouais, là, on part direct pour l'échauffement. Ah, vous allez voir, il y a de belles choses. Allez, let's go! Pronostic du jour. Monsieur Marco. Et qui est le plus rapide de Sassy, des Grenats. Retour en équipe 1, ça fait plaisir. Le numéro de Thierry Henry. Voilà, évidemment. Thierry Henry d'Arsenal. Est-ce que tu auras la même finition? Je pense pas. J'ai plus la finition de Smile Dembélé, tu vois. Ah, c'est pas rassurant ça. Ça je marque de temps en temps. Sassy, je vais arbitrer en gris, ça vous va? Ça nous va complètement, monsieur l'arbitre. Point de vue des couleurs, ça. Tout de suite, les gars. Bébé, hein, tout de suite. Vous êtes morts, pas grave. Au milieu des trois, là, du volume de jeu, les gars. Du volume de jeu, ça veut dire que c'est vous qui devez faire plus de kilomètres dans le match. Ok, super. Ok. Défenseur, attaquant, jouez sur votre vitesse, attention à la dernière passe. L'année dernière, on a éliminé des joueurs, mais ça ne servait à rien, il n'y avait pas de centre derrière. Ouais, descendre. Centré, essayez de jouer un maximum dans les pieds, à chaque fois que vous faites du jeu long, on rend la balle à l'adversaire. Personne ne parle avec cet arbitre-là. Les gars, on vous le dit, je vous le dis dès le départ, il va être 0. Bien sûr. Ok, on le sait, il va faire des erreurs. Vous taisez, vous dites rien, sinon il va dégainer direct. Parce que le temps ensemble, les gars. Devant croisé. Dario, si tu veux rentrer, envoie le premier rentrer. Ok, tu vas le mettre face à toi. Vous vérifiez la tenue de vos adversaires qui vont démarrer. Celui qui sera à côté de banc, il vérifiera les mecs qui rentrent. Le jeu, il sera arrêté. Vous irez à la médiane vérifier le mec qui rentre. Il rentre quand le remplacé est sorti. Je vous laisse vous placer, on reprend le jeu. S'il y a une séance de pénaux, je vous dirai ce que vous devez faire. Après, vous me signalez le hors-jeu. Le mec qui est en position de hors-jeu, il profite de sa position pour interférer avec un adversaire pour jouer le ballon, vous levez. Je peux être amené à vous déjuger. Si vous avez raison, que la passe est pourrie, va dans le décor, vous gardez la pour demain, on ne pourra pas lui contester, vous avez rien pour rien. Merci, on continue à jouer. Les rentrées de touche, c'est 2 mètres. Les coups francs pour la défense, c'est 9 mètres 15. S'ils ne respectent pas les distances, vous leur dites distance. Et moi, j'irai les calmer. Celui qui sera à côté de banc, c'est le bordel entre les entraîneurs. Vous essayez de leur dire calmez-vous, vous m'appelez pour que j'aille les calmer. Mais il y a un gros espace de séparation entre les bancs. C'est deux équipes sympas que je connais, donc ça devrait bien se passer. Avez-vous des questions, messieurs? Non. Merci d'être là, bon match à vous. Allez,
C'est bon les gars, merci. Thank you.
Les gars, il est inadmissible le dernier quart d'heure. 3-0 est suffisant comme ça, concéder des occasions contre une D5. Inadmissible, les gars. Jouez vos jeux. Arrêtez d'être suffisant là. Vous n'avez pas concédé une seule occasion, pas un tir. Chose positive, on a mis 3 buts. On aurait dû en mettre plus. 3 buts. 3 à la mi-temps. Mais attention, on n'est pas à l'abri, les gars. Là, ils auraient mis à la deuxième. Ça revenait. Tout là, il fait chaud. 3 changements à la mi-temps. On va changer le système aussi. On va passer en 3-5-2. God dans les buts. Antoine à droite, axe droit. Coco Allé dans l'axe. JP à gauche. Un peu plus haut en piston. Dario à droite. Coco le tout à gauche. En 6, Toffer, Jordi. Hakim, 10. Et les deux devant, Verbou, Antoine. Ce soir. Quand les autres, vous allez rentrer, les gars. Là, ça veut dire ce système-là, pour ceux qui n'ont jamais joué. Les 3 qui sont dans l'axe, vous connaissez, vous avez déjà joué, vous restez dans l'axe. Sur les côtés, c'est Dario et Coco le tout. C'est vous qui venez fermer sur les côtés, d'accord? Vous venez fermer sur les côtés. Quand on n'a pas la balle, vous replacez quasiment en arrière latéral. Dès qu'on a la balle, vous grimpez directement. Sans ce système-là, c'est vous qui avez le plus de volume de jeu. C'est vous qui devez faire ça constamment, ça tout le match. Après, par rapport à ce qu'il vient de dire Chris là, les gars, c'est une D5. C'est une D5. On concède 3 ou 4 actions là. Mais il devrait même pas frapper. Il devrait même pas avoir une frappe normalement. Sur ça, la rigueur défensive, elle y est pas. Donc oui, on doit développer. Ça s'appelle respecter l'adversaire. Respecter l'adversaire, c'est-à-dire si on doit leur en mettre 10, on leur en met 10. On gagne 3-0. Faites tourner la balle. Vous devez les faire courir. Ils sont cuits à côté. Vous devez les faire courir. Et rentrez pas dans le jeu avec tout le spectateur qu'il y a là, qui sont en train de parler, qui parle, qui gueule. Laissez-les, on s'en fout. Mon gars, nous on garde notre sang-froid. N'allez pas prendre un carton. Et mettez de la justesse dans vos passes. Putain, je vois des passes, les gars, vous êtes tout seul. Il faut faire une passe à 20-25 mètres au sol. Et on n'est pas précis, on n'arrive pas soit là-bas, soit aller là-bas. On sait le faire, on est quand même, les gars. Hein. Les gars, donc là, 3-5-2. Verbou, Antoine, deux profils différents. Donc, ce que je veux, c'est que Verbou décroche pour attirer 4 ou 5. Antoine, il est derrière. Donc, faites-le pas à chaque fois, les gars. Si Verbou décroche, on entend une au sol ou en l'air sur Antoine, en profondeur, c'est sûr, il va en mettre une ou deux en deuxième. Et toucher Berbou, il retouche un milieu et on reste sur les côtés avec les pistons qui viennent faire ce surplus, les gars, ok? Vous avez tous déjà fait des city, vous êtes au jeu pigeonnier, ou je sais pas, où il y a une ambiance de merde sur le côté, où ils chauffent les gens, arrêtez de les écouter, arrêtez, ils vous rendent dans le crâne. On gagne 3-1, on peut, dans le jeu, on les bouffe, arrêtez de répondre, on s'en bat les couilles, on joue au foot. On a joué au pigeonnier, on joue à Montataire, à Craig Plateau, là vous faites rentrer dans le crâne, par exemple, rien va là, arrêtez les mecs. On joue. Laissez-les parler, l'arbitre il va encore avoir des décisions qui ne seront pas bonnes et c'est pas grave. Ah oui, on sait que c'est un skeg, on joue au football, putain. C'est pas parce qu'il y a un collègue qui ne remet pas le ballon ou qui fait un B ou qui fait une frappe qu'il n'aurait pas dû faire, faut baisser la tête, vous vous replacez, vous allez courir pour récupérer le ballon à sa place, les gars. Ensemble. Doucement, tu cours pas trop. Tu cours pas avec le ballon trop. Allez, très bien, encore, on demande la balle. Allez.
Voilà. Voilà. J'ai pas un debout. Les gars dans le dos, Théo. Oh là là. Hey, y'a faute là. Oh là. Oh my god. T'as même pas réussi à l'attraper, ton cas. Oh, Ramzy, joli le contrôle. Oh, silence, silence. Vous se fait éjaculer la salle maintenant, hein. Attendez une minute, attendez. Quoi ? J'ai plus la finition, mais... Ah, c'est pas rassurant, ça. Encore les verts. Les deux. Oh,
Mais tu sais très bien, t'es pas obligé. Ah, tu gâches tout là. La calife et c'est tout. Coach, avez-vous des blessés? Désolé les gars pour le rater à la fin. Ouais, t'as raison, excuse-toi. Tu le mets en finale. Mais les mecs, vous avez perdu ou quoi? Les mecs, il faut sourire s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez gagné, vous êtes quoi? C'est bien. Donc voilà les gars, pour cet épisode de à jamais un grenat, les gars, voilà, bah on est qualifié. Oui, vous avez pu le voir assez difficilement, avec beaucoup de difficultés, mais comme le dit Bergou, voilà, notre cher capitaine. La qualif et c'est tout. Donc nous sommes qualifiés pour ce deuxième tour de Coupe de l'Oise. Prochain match, les amis, ce sera en championnat, l'ouverture de championnat dès dimanche prochain, les gars. Donc évidemment, l'épisode sortira quelques jours plus tard, mais voilà, nous avons un déplacement pas simple à faire pour cette première journée. Vous verrez dans ce troisième épisode. Et bien sûr les gars, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes, à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et merci encore pour tous vos retours. Mais dans cet épisode 2, il y a un petit exploit quand même, c'est que j'ai mis un but les gars. Vous n'en verrez pas énormément dans cette saison, donc profitez-en et ça fait plaisir. En tout cas, merci encore pour votre soutien. Stack est pas possible, à jamais un grenat. Et comme d'habitude, on se quitte toujours avec une image. Voilà, je mets toujours une petite image à la fin pour moi qui m'a marqué dans cet épisode. Bon bah, je te laisse savourer. Allez, frérot. C'est trop loin, toi. Moi, je vous demande. J'ai l'air trop Moi, je vous demande. Oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants.